C'est une histoire marrante. En fait, ça peut arriver comme ça, c'est marginal par rapport à ton activité traditionnelle. Voilà, en gros, l'anecdote, Beugnin, petit bourg au-dessus de Nyon, dans le canton de Vaud, un médecin a œuvré à Beugnin pendant très très longtemps, c'était un peu le médecin du bled. Il a 80, il a été... il a décidé de prendre sa retraite, et puis il offre en somme à ses clients ou patients, selon les métiers, une sorte de dimanche après-midi festif, avec musique un peu, avec un peu de, avec exposition d'aquarelles, car il dessine aussi. Et puis il a demandé peut-être qu'il y ait une petite participation de type théâtral, littéraire, plus littéraire que théâtral d'ailleurs. Et pourquoi ? Parce que, et c'est ça que ça rejoint l'autre côté de l'anecdote, j'avais moi des amis, dont une grande amie, Ariadne Kratz, comédienne, qui habitait tout près de Beugnin, à la Saisie, et en fait qui a été soignée par ce docteur. Et puis toute la famille qu'il y a eu autour a été donc aux mains de ce docteur Jacques Dizeran. Et en fait, c'est un peu par eux que j'ai été appelé à... eux, on leur a demandé s'ils pouvaient le faire, ils ne pouvaient pas, pour des raisons de tournée et autres. Benjamin, le fils, tournait, etc., etc. Il m'a demandé si je voulais m'en occuper, et c'est comme ça que je suis venu à Beugnin refaire ce petit parcours qui n'est pas un parcours professionnel, c'est un parcours, je dirais, amical. Alors, on a décidé de... avec mes amis de Tumulte, de Neuchâtel, on a décidé de faire un petit parcours lu, plus que joué d'ailleurs, autour de la question médicale dans la littérature, et surtout dans la littérature théâtrale. On avait deux piliers, Molière d'un côté, les farces de Molière sur les médecins, et puis les comédies de Molière satiriques sur les médecins, ce qui est un autre Molière, un autre auteur en quelque sorte. Et puis, évidemment, Jules Romain et le célèbre Knock, joué et depuis de très très nombreuses années par différents acteurs, qui revient à la mode régulièrement. Alors, j'ai entrecoupé ça par deux, trois commentaires d'un hématologue, professeur, qui m'a soigné à Lausanne il y a quelques temps déjà, lorsque j'avais des pertes de plaquettes. Et en fait, il a sorti deux livres avec des allusions aux problèmes médicaux. J'ai aussi pimenté ça de certains de ses textes. Donc voilà, on a une sorte de revue autour de la question médicale vue par la littérature, vue par le théâtre, mais sans que ce soit vraiment du théâtre. On veut conserver le caractère, je dirais, ordonnantiel. Hein. En fait, je vais déjà dévoiler un peu la digression du début. C'est que, en fait, un auteur de théâtre, c'est un médecin qui dicte une ordonnance, ça s'appelle une pièce, et nous sommes des pharmaciens, tous les gens de théâtre, qui avons à livrer finalement la potion, peut-être à la faire, à la constituer, à mélanger dans le creuset différents produits pour répondre à la commande de l'ordonnance. Donc, l'analogie médecine-théâtre, à partir de là, s'imposait. Voilà, bonjour tous, bonjour chers amis. Voilà, je dois être dans la lumière, mais je suis gêné par ces stoppons. Voilà. Soyez les bienvenus. C'est un rêve, c'est mon rêve qui se réalise. Je vous remercie tous, amis, connaissances qui êtes venus ici. Vous voyez, je suis un peu ému, quoi. Et puis, je ne sais pas très bien. On m'a demandé comment je me sentais. À vrai dire, je ne sais pas. Je me sens, mais je ne sais pas comment. Ça, c'est une chose. Alors, je préfère passer directement à quelque chose de beaucoup plus concret.
et puis qui m'éloignera un peu de ma personne, en vous présentant simplement cet après-midi, ce qui a été prévu cet après-midi pour vous. Cette fête va se décliner, vous l'avez vu, en trois couleurs. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime l'aquarelle. Alors cet après-midi va se décliner en trois couleurs. Ce sont les couleurs fondamentales, c'est-à-dire le bleu, qui est la couleur du ciel, la couleur de la respiration, la couleur qui pour moi évoque le souffle. Et par conséquent, la première partie se déroulera sous la forme d'un souffle théâtral. Dans une deuxième partie, c'est le jaune, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur de la chaleur, c'est la couleur de l'amitié. Ce deuxième acte se déroulera d'une manière un petit peu différente et ce sont plutôt des interventions particulières des amis et une intervention d'une amie. Donc, ce sera cette deuxième partie. Et puis finalement, nous allons terminer avec la dernière couleur, c'est la couleur rouge. Le rouge, c'est inévitablement la couleur du sang, mais ce n'est pas un sang tragique, hein, ce n'est pas le sang des hémorragies, c'est le sang des générations. Et c'est la raison pour laquelle cette troisième partie sera consacrée à la présentation de mes petits-enfants. Pas les enfants, mais petits-enfants. Et ce sera la partie musicale de mes petits-enfants. Et ensuite, si le cœur vous en dit, si vous n'êtes pas trop fatigué, et si vous êtes d'accord, de bavarder encore ensemble et de ensuite d'avoir une collation, eh bien ce sera le moment de la collation. Voilà, je vous souhaite une heureuse après-midi, je vous remercie en même temps de m'entourer comme vous l'avez fait. Et maintenant, je laisse la place au théâtre. Le théâtre a toujours eu à voir avec la médecine. Jouons l'analogie. Qu'est-ce qui est le plus important chez le médecin ? C'est l'ordonnance. Il écrit une pièce, comme un auteur. Ensuite, cette pièce, elle va où ? Ben, comme l'ordonnance, elle va chez le pharmacien. Et lui, alors, il concocte les choses pour nous livrer une pharmacie adéquate. Bon, de nos jours, c'est plus industriel, mais après tout, le théâtre aussi, c'est plus industriel, ça s'appelle le cinéma ou la télévision. Revenons aux vraies pharmacies. On a cette ordonnance, ce texte, et on doit en faire quelque chose à la fois de consommable, d'utile et de bénéfique. Eh bien, tout le théâtre, il est là. C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. On va essayer, en prenant des textes à droite, à gauche, plus à gauche qu'à droite, et on va essayer de voir avec vous comment ça peut fonctionner. C'est donc pas un spectacle, c'est mieux que ça. C'est la répétition d'un spectacle. C'est-à-dire qu'on vous fait entrer, évidemment, dans l'arrière-fond de la pharmacie. Et là, vous trouverez, à votre convenance, ce que vous voulez. Car dans les pharmacies comme au théâtre, il y a toujours deux aspects. Après tout, c'est quand même dans les pharmacies qu'on trouve tous les produits qui sont interdits par la loi. À nous de nous débrouiller pour les avoir comme au théâtre. Car c'est ces produits-là qui peut-être nous font réfléchir sur notre destinée, sur notre engagement dans le monde et sur notre futur.
C'est vous qui savez, docteur. Telle est le plus souvent la réponse du patient. Lorsque je tente, sans éluder la complexité du problème, de le faire choisir entre deux options. Soit un traitement assez dangereux, comportant de fortes chances de rémission. Soit un autre schéma thérapeutique, mieux toléré, mais dont la probabilité de succès est moindre. Généralement, le malade ne souhaite pas assumer une telle responsabilité. L'art médical consistera à savoir donner au malade la liberté de refuser sa liberté tout en paraissant l'assumer. Monsieur, je vous amène le médecin le plus habile du monde qui vient des pays étrangers et qui sait les plus beaux secrets. Ah! Tenez, le voilà! Hippocrate dit, et Galien par mille raisons persuade qu'on ne se porte pas bien lorsqu'on est malade. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont, à mon égard, que des avortons de médecine. J'ai des talents particuliers, j'ai des secrets. Salam Alex, Salam Alec, Rodrigue, as-tu du cœur? Signor si, signor no, per omnia secula seculorum. Mais encore, voyons un peu. Y aurait-il moyen d'avoir de l'urine? Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas mauvaise pourtant. Et quoi, monsieur, vous l'avalez? Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Mais moi qui suis un médecin hors du commun, je l'avale parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux les causes et les suites de la maladie. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Cette fille-là ne pisse que des gouttes. Voilà une pauvre pisseuse que votre fille, dit-il. Je vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. Est-ce la malade? Oui, je n'ai qu'elle de fille au monde, et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal dont vous sent que vous sentez? Et que dites-vous? Quoi? Je ne vous entends point. Quel diable de langage est-ce là? Monsieur,
C'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Mais pourquoi ? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette ? Plus d'adieu que la mienne eut cette maladie. Je me garderai bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup ? Oh oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs ? Fort grand. Fort bien. Va-t-elle où vous savez ? Oui. Copieusement. Je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable ? Je ne me connais pas à ces choses. Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui indique que votre fille est muette. Mais oui, monsieur, c'est là sa maladie. Vous l'avez trouvée tout du premier coup. Ah, voyez comme il a deviné sa maladie. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous eût été dire c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien savoir d'où cela vient. Il n'est rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien, mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole ? Tous nos meilleurs acteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue ? Aristote, là-dessus, dit de fort belles choses. Je le crois. Ah, c'était un grand homme. Sans doute. Grand homme, tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi de tout cela. Je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par certaines humeurs qu'entre nous autres savants, nous appelons humeurs pécantes. Pécante, c'est-à-dire humeur pécante. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies, venant pour ainsi dire de... Entendez-vous le latin ? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin ? Non. Cabricias arcituram, catalamus singulariter nominativo aec musa, la muse, bonus bona bonum, deus sanctus est ne oratorio latinas. Etiam, oui, car et pourquoi ? Quia substantivo adjectivum concordat in generi numerum et casus ? Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où est le foie, au côté droit, où est le cœur, il se trouve que le poumon que nous appelons en latin armian, ayant communication avec le cerveau que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu cubile, rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Et parce que les dites vapeurs, comprenez bien ce raisonnement, je vous prie, et parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité, écoutez bien ceci, je vous en conjure. Oui. Ont une certaine malignité qui est causée. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Je le suis. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Assurément. Mais monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie ? Ce que je crois qu'il faille faire. Oui. Mon avis est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela, monsieur ? Parce qu'il y a dans le vin mêlé au pain une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on ne donne autre chose au perroquet pour leur apprendre à parler ? Cela est vrai ! Oh, le grand homme ! Oh, vite ! Quantité de pain et de vin ! Je reviendrai voir sur le soir, dans l'état où elle sort. C'est un peu osé ce que dit Molière.
Mais après tout, on a droit à la satire. Faut pourtant reconnaître que si on peut rire comme ça, et non seulement le rire est le propre de l'homme, mais aussi de la femme, c'est que certains médecins, parfois, nous ont soignés, voire même guéris. Eh oui, ça arrive. Molière a pris ça comme prétexte dans cette farce qu'on a évoquée devant vous. Seulement, il précise sa pensée beaucoup plus loin, dans une autre pièce. Mais cette fois-ci, c'est plus du tout une farce. C'est une comédie tragique. Ça s'appelle « Le malade imaginaire ». Et là, on va s'apercevoir, c'est une chose importante à noter, c'est que Molière n'attaque jamais les médecins. Il attaque ceux qui se prennent pour des médecins. Ceux que de nos jours, on appellerait des charlatans. Ou alors, peut-être... Bon, il y a tellement de mots qui peuvent raconter cette histoire qu'on ne va pas vexer quelqu'un. Les vrais médecins, eux, ceux à qui Molière faisait appel pour se soigner, il n'en parle pas. Parfois, il en dit du bien, dans des lettres. Sur scène, il sait une chose, c'est qu'on a toujours intérêt à engager la critique si on veut que les bonnes gens rient et apprennent des choses. Quel médecin ? Un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Je ne le connais pas. Fais-le venir. Mais il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et si je n'étais sûre que ma mère est honnête femme, je dirais que ce serait quelque petit frère qu'elle m'aurait laissé depuis le trépas de mon père. Fais-le venir. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. Voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies-là que je ne connais point. Monsieur, agré que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Monsieur, je vous suis fort obligé. Par ma foi, voilà Toinette elle-même. Monsieur, je vous prie de m'excuser. J'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure. Ne dirait-on pas que c'est effectivement Toilette? Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Mais c'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Et les histoires sont pleines que de ces jeux de la nature. Pour moi, j'en suis surpris. Monsieur, comment que vous... Je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît. Je reviens tout à l'heure. J'ai lu des choses surprenantes. De ces sortes de ressemblances. Et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé. Pour moi, j'aurais été trompé à celle-là et j'aurais juré que c'est la même personne. Que voulez-vous, monsieur?
Comment ? Ne m'avez-vous pas appelé ? Moi, non. Ah, il faut donc que les oreilles m'écornent. Ah, demeure un peu ici pour voir comme ce médecin te ressemble. Alors, vraiment, j'ai affaire. Hein. Je l'ai assez vu. Si je ne les voyais tous les deux, je croirais que ce n'est qu'un. Mais je vous l'ai dit, les choses comme celles-là arrivent de tout temps et en tout lieu. Bah, on en a vu encore aujourd'hui. Cela est admirable. Où tout le monde s'est trompé. Pour moi, j'aurais été trompé à celle-là et j'aurais juré que c'est la même personne. Oh, monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. C'est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes et votre réputation qui vous suit partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Quel âge croyez-vous donc que j'ai ? Je crois que vous pouvez avoir tout au plus dans les 26 ou 27 ans. Ah, 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 ah. J'en ai 90. 90 ? Oui, vous voyez un effet des secrets de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. Ma foi, voilà un jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatismes et d'effluxions, à ces fiévrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Non, je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec inflammation de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire. Que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés à l'agonie, afin de vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous servir. Jugez, monsieur, les bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Allez, ou je vous ferai bien aller comme vous devez. Ah, ce poulain fait l'impertinent. On voit bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin ? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point inscrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Le poumon? Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. J'ai parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille? Ignorant. Du veau? Ignorant. Des bouillons? Ignorant. Des œufs frais? Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour relâcher le ventre? Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé.
ignorant tous, ignoranta, ignorantam. Il vous faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gruau et du riz et des marrons et des oublis pour coller et co-glutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps tandis que je serai dans cette ville-là. Vous m'obligez beaucoup. Mais que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si je n'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là mais de profiter? J'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et absorbe la nourriture? Croyez-moi, faites-le vous crever très tôt. Vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Je ne suis pas pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire au sujet d'un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà un médecin vraiment qui paraît fort habile. Oui, mais il va bien un peu vite. Tous les grands médecins sont comme ça. Me couper un bras et me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien la belle opération que de me rendre borgne et manchot. Molière laisse partir ce pauvre Ardan. Va-t-il continuer à se faire soigner? Va-t-il mourir? Ou va-t-il simplement avouer qu'il est en bonne santé et qu'il fait semblant d'être malade? Il a pris ça très tôt. Très très tôt, il devait aller à l'école un matin. Et il n'aimait pas ça ce matin-là. Alors il prend un thermomètre, il le frotte avec la couverture. Et il dit, maman, j'ai 40 degrés. La maman dit, mon petit, tu vas rester ici, pas aller à l'école. C'est un système qu'on prend très très vite. Ben, c'est la même chose avec les pièces. C'est très difficile, on prend un texte, quel qu'il compte. Là, à partir de ce moment-là, on peut commencer à le mettre en scène. Pour l'instant, on le met en place. Premier temps, la mise en scène va constituer, disons, à établir réellement le diagnostic, mais surtout à trouver les moyens de corriger le diagnostic. Pour ça, on utilise un objet très important, on l'appelle dans les textes le forceps. On ouvre un texte, on le dilate, et on en tire un objet, un enfant nouveau, le texte de théâtre. Bon, laissons ça pour l'instant. C'est peut-être pas à montrer tout le temps. Il peut y avoir des petits épanchements de sang, et pas dans le sens où on vous l'a présenté tout à l'heure, avant le spectacle. Non. Ce qui est important de constater, c'est que ça se continue avec la médecine d'une façon étonnante. Et au XXe siècle, on retrouve à peu près les mêmes mots pour raconter une histoire. Et le médecin qui va entrer maintenant et s'asseoir à cette table, ce médecin, c'est le docteur Knock. Il va dans un premier temps recevoir dans son cabinet qu'il vient d'inaugurer. Et pour appâter la clientèle, dans ce métier, on appelle ça les patients. Mais rassurez-vous, ils sont très impatients. Impatients de guérir. Pour attirer la clientèle,
il décide d'ouvrir des consultations gratuites. Et il reçoit une dame en violet, une dame de la très belle société du village. Vous devez être bien étonné, docteur, de me voir ici. Qu'une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, vienne à une consultation gratuite, c'est en effet assez extraordinaire. Vous vous dites peut-être que c'est l'un des jolis résultats du gâchis actuel, et que tandis qu'une quantité de malotrus et de marchands de cochons roulent carrosses et sablent le champagne avec des actrices, une demoiselle Lampoumas, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle et a possédé jadis la moitié du pays et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, en est réduite à faire la queue avec les pauvres et les pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés à ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux qui étaient de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre l'an dernier un domaine de 160 hectares, la Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Ce nom de la Michouille a des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Haine du champignon, pour cette raison qu'on n'aurait jamais trouvé un seul champignon dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et les réparations, il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule, d'autant que depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient volontiers de la situation et sollicitaient à tout bout de champ des réductions ou des délais. Oh, j'en avais assez. Ne croyez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Je le crois, madame. Surtout si vous aimez les champignons et si, d'autre part, vous avez bien placé votre argent. Ah ! Vous avez touché le vif de la plaie. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé et j'en doute terriblement. J'ai suivi les conseils de ce gros bêta de notaire, au demeurant le meilleur des hommes. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Docteur, que pensez-vous des charbonnages? Ce sont en général d'excellentes valeurs, un peu spéculatives peut-être, mais sujettes à des hausses inconsidérées, suivies de baisses inexplicables. Oh, mon Dieu, vous me donnez la chair de poule. J'ai l'impression de les avoir achetées en pleine hausse, et j'en ai pour plus de 50 000 francs. D'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille dans les charbonnages quand on n'a pas une grosse fortune. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait jamais excéder plus du dixième de l'avoir total. Vous me rassurez, docteur, j'en avais besoin. Vous ne sauriez croire quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Je me dis parfois qu'il me faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Oh, docteur, la nature humaine est une pauvre chose. Il est écrit que nous ne pouvons déloger un tourment qu'à condition d'en installer un autre à la place. Je ne puis pourtant pas, à mon âge, courir les aventures amoureuses, ni entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous attendez sans doute que je vous explique pourquoi j'ai fait queue à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame, elle est sans doute excellente. Voilà. J'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble inspiration. Mais je connais mes gens. J'ai pensé, ils n'en ont pas l'habitude, ils n'iront pas. Et ce monsieur sera pour sa générosité. Et je me suis dit, s'il voit qu'une dame Ponce, demoiselle Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer. Car mes moindres gestes sont observés et commentés. C'est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame. Je vous en remercie. Vous savez que je suis réellement très, très tourmentée avec ma locataire et mes titres. Je passe des nuits sans dormir. C'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un secret pour faire dormir. Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie. Très, très longtemps. L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, particulièrement en une altération des vaisseaux dites en tuyaux de pipe.
Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyau de pipe. Si, en tuyau de pipe. L'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? Je prise un peu. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ce doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Représentez-vous un crabe ou un poulpe ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous susauter, de vous déchiqueter doucettement la cervelle. Il y a un espoir de guérison? Oui, à la longue. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se soigner suivant les méthodes les plus modernes. Avec vous, c'est différent. Tant mieux, tant mieux. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout de suite? Regardez un peu ici. C'est tous les hameaux de la vallée que nous avons en enfilade. Mais vous n'avez pas dû saisir que ces beautés naturelles dont vous êtes friands, c'est un paysage rude, à peine humain, que vous contemplez. Aujourd'hui, je vous le donne tout imprégné de médecine, animé et parcouru par le feu souterrain de notre art. La première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait un seul amant de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier, l'organiste des grandes orgues, dans 250 de ces maisons. Il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement et des feuillages. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens et grâce à moi un sens médical. La nuit c'est encore plus beau car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé la veilleuse. Ou la lampe. Tout ce qui reste en marche de la médecine la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que, pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions. Quelles sont la voie de mes ordonnances? Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures. Et que pour tous mes malades, 10 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois une brave paysanne des environs. Vous êtes bien du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même. J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Elle vous appartient? Oui, à mon mari et à moi. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail? Pensez, monsieur. 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Oh, diable, vous n'avez pas de domestique? Dame, si! Trois valets, une servante et les journaliers dans la belle saison. Je vous plains. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh non! Et pourtant vous souffrez. C'est pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue. Oui, vous appelez ça de la fatigue. Attirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé. Oui, assez. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle? Je ne me souviens pas. Étant petite. Essayez de vous rappeler. Ça devait être une grande échelle. Ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 m. Posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse. C'est la fête gauche, heureusement, qui a porté. Ah oui,
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? J'ai envie. J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu, et pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes d'un mal que l'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans? Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Et combien que ça me coûterait? Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh là là, près de 3000 francs? C'est une désolation, hein? Jésus-Marie! Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Oh, un pèlerinage, ça revient cher aussi et ça réussit pas souvent. Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez attendre. Je me demande, même, s'il ne faut pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner. Tandis que des années de vieillesse, on en a toujours bien assez pour le plaisir qu'elle donne. Et en faisant ça plus grossièrement, vous ne pourriez pas me guérir à moins cher, à condition que ce soit bien fait tout de même. Passez chez Monsieur Mousquet et priez-le d'exécuter aussitôt cette première et petite ordonnance. Et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20, 3 et 2 font 5, plus du quatrième, un petit clistère insinuatif, réparatif et rémoliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Oh, ce qui me plaît chez monsieur Florian, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur 30 sols. Oui, mais monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil, il faut aussi être raisonnable. Et ne pas écorcher les malades. 30 sols en lavement, je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous ne les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols, et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Les voilà. 10 sols. Plus du 10 jours, un bon clistère détersif composé avec catholicon, double rhubarbe, miel, rosa et autres, suivant ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur 30 sols. Avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours, le soir, un julep hépatique, soporatif et somnifère composé pour faire dormir monsieur 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. 10, 15, 17, 10 et sol et 35, 16. 6 deniers. Plus du cinquième, une bonne médecine purgative et corroborative composée de casses récentes avec serré, lavantin et autres. 12 sols. Plus du 10 jours. Plus de 10 jours. Une portion. Une double portion de clistère insinuatif préparatif et somnifère donnant en plus une fraîcheur dans les entrailles. Ah, monsieur Florent, vous brodez. 12 sols. Les coûts de la santé explosent. Le professeur Pierre Gillian déclare que la qualité de vie devra servir de critère dans nos décisions thérapeutiques afin de réduire les coûts de la santé.
comment allons-nous, pauvres médecins, juger de la qualité de vie de nos concitoyens? Quelle est la qualité de vie d'un homme brillant, politicien réputé, atteint d'une affection maligne, difficilement curable? Une vieille dame sans famille, placée dans une institution, souffrant d'une leucémie peu agressive? D'une jeune femme, belle et intelligente, récidivant dans son cancer? D'un jeune homme au QI légèrement réduit, atteint d'un lymphome malin curable par un traitement pénible et très onéreux? Quelle est la qualité de vie de mon patient FM qui attend sur son lit ma réponse? Lorsque je pénétrais dans la chambre ensoleillée de l'hôpital, FM, l'œil clair et le regard fier, était étendu sur son lit. Sa rate volumineuse soulevait légèrement le drap et le faisait souffrir. Le dernier traitement de sa leucémie avait échoué. Un nouveau médicament, la mixoxantrone, était disponible depuis quelques semaines. Il était assez onéreux. FM me regardait dans les yeux. Qu'allez-vous faire? Je lui parlais de ce produit, de ses avantages et de ses risques. Il souhaita l'essayer. Lorsque donc, trois semaines plus tard, je visitais à nouveau mon patient, FM, dans sa chambre d'hôpital. Sa femme était présente, étendue sur le lit adjacent, accoudée. Elle me regardait, le visage mêlé de fermeté et de douceur. Elle tenait l'extrémité des doigts de son mari. Une vague de silence nous recouvrait en ce début d'après-midi. La rate avait régressé. Les douleurs avaient disparu. Il pouvait à nouveau lire. Et bien que conscient de sa précarité, ne regrettait pas son choix. Je regardais maintenant la femme. « Nous sommes prêts, » me dit-elle. « Mais nous ne sommes pas pressés. » Cette histoire est vraie. Et c'est peut-être cette leçon qu'on va retenir de cette soirée d'aujourd'hui. C'est que le docteur ne peut pas nous guérir de la mort, mais nous sommes prêts pour l'accepter. Seulement, comme nous ne sommes vraiment pas pressés pour ça, il peut grandement contribuer à prolonger notre espoir. Merci.